avons une demande d'amis. Oh non, putain, ça recommence. Cérémonie de contemplation de la lune. Cérémonie de contemplation de la lune. Hop. Cérémonie de voilà. Ah, commence même pas à me casser les couilles, Martin, je te le dis, hein. Bref, du coup, les gars, yo tout le monde, yo les gens, salut à tous, y'a salam alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver, les gars, pour une session live. Je pense que vous êtes tous au courant, hein, mes lives maintenant commencent à 17h. Déjà, d'une, ça sera plus calme. Je pense ça, vous allez, de toute façon, vous allez vous en apercevoir. Donc, je pense de 17h jusqu'à 19h, on sera un peu ensemble, ça sera calme, il y aura pas forcément beaucoup de monde. Mais quand même, par-dessus tout, on aura quand même de la tranquillité, d'accord? Par contre, je pense, après, à 19h, je pense, ça sera un peu plus le foutoir. Bah, les gens vont bah, forcément sortir de je ne sais où, etc. Mais voilà, à 19h, ça sera un peu plus le foutoir. Donc, on va essayer comme ça. Moi, je trouve que c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool de commencer à des heures comme 17h. Comme ça, au moins, c'est calme. Et comme ça, on peut profiter un peu ensemble. Je vais essayer quand même de lire un peu plus le chat. Pour profiter un peu et de votre week-end et puis... Non mais c'est pas possible. Putain mais Martin, je commence pas à 17h pour que tu puisses me casser les couilles. Non mais Martin, s'il te plaît frérot, si c'est des trucs comme ça, ça sert à rien, je commence à des 19 moi. Non vraiment, vraiment Martin, s'il te plaît, s'il te plaît. À 19h si tu veux, mais là à 17h j'ai besoin d'avoir toutes mes oreilles. Cérémonie de contemplation de la lune. Cérémonie de contemplation de la lune. Hop. Donc comme vous avez pu le constater au titre, les gars, j'ouvre mon premier kebab. Tout à l'heure, on va... Salut mon château gonflable, comment tu vas? Va niquer ta mère, Noden, fils de... Évite de m'appeler comme ça, mon chaton gonflable. Putain. D'accord, j'arrête, maître. Jaya rigole. Cérémonie de contemplation de la lune. Cérémonie de contemplation de la lune. Comme vous avez pu le constater au titre, les gars, j'ouvre mon premier kebab. Tout à l'heure, on va jouer à un jeu de simulation. On va faire un peu de restauration. Donc, Oh non, tu l'as pas enlevé, Zincléro? Palestine. Bon, allez, non, allez, dommage. Eh, dommage, je commence mes lavages à 19h. C'est bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Oh, Max, ça sert à rien. Ouais, fils de p'd'arabe, 3 euros. J'ai lecché à le cul d'a et il m'a chié de. Non, mais c'est quand même hardcore. Ah, je vais prendre le Nunchaku. Albamboula, 3 euros. Nique ta mère, je la baise, sale fils de p'd'gros enfoiré pédé. Wouah. Oh Zincléro! Oh demain 19h hein. Salut Samantha. Ah Zincléro, t'abuses frérot, c'est quoi ça? Frérot, salut Bouboule, tu vas bien? Cérémonie d'observation de la lune, cérémonie d'observation de la lune. Mais wesh! Non! Salut Samantha. Non! Je pensais que ça serait plus calme. Je te jure, la vie de ma mère, tu sais, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tiens, je vais commencer à 17h. Il y aura 400-500 viewers. Pff, voilà. Wesh, en fait, on aime pratiquement le même nombre qu'à 19h hein. Monsieur Daoki. C'est bon, on a compris. Évitez de m'appeler par mon nom de famille, putain de merde. Vous pouvez pas nous atteindre. Hugo, 4 euros, ça va jouer des cœurs violets, nanan fait Nike ta grosse mère la... Enfin, putain de ta mère, là. Martin, 3 euros, les dons spammés, tout cérémonie, observation de la lune, cérémonie, observation de la lune, cérémonie, observation de la lune, N0den, 4 euros, va bien te faire enculer, bourrico, boucle la chute. Bah, va niquer vos mères, c'est bon là, on peut jouer tranquille un peu! Oh, Zincléro, demain je commence à 19h! Bon, là je commence à 19h demain, c'est bon, ça sert à rien mon ref hein. 4 euros. Ça sert à rien frérot, je commence à 17h, ça sert à rien. Concert privé à ta l'heure. Cérémonie de contemplation de ça sert strictement à rien, putain de bordel de merde. Bim bim bim. Non, je te prends pas. Nous avons une demande d'amis. Cérémonie de Martin, 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 Martin. Cérémonie de Martin, 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 attends 19h s'il te plaît. Je t'en supplie, attends 19h. Cérémonie de contemplation de la lune. Cérémonie de contemplation de la lune. Ça sert à rien. Ignore les insultes, oublie pas de m'ajouter BG. Ah oui, XK, bien vu, bien vu. Tu veux une classe sur tes petites testicules. Ta gueule. Observation de la lune, cérémonie, observation de la lune, cérémonie, observation de la lune. Mais regarde! Mais comment tu veux jouer? Mais j'en ai marre! Mais c'est quand? Mais c'est quand qu'ils vont faire une mise à jour? C'est quand? C'est quand qu'ils vont faire une mise à jour, putain de merde? Mais j'en ai marre! Mais putain, ça fait 5 jours, je me fais tuer que par des véhicules! Cérémonie de contemplation de la lune. Cérémonie de contemplation de la lune. Non mais c'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est... Salut Samantha, tu peux me faire crédit ce soir? Mais enlève-moi cette image! Je suis limite niveau argent là. De contemplation de la lune. Ticket le malouf, 4 euros. C'est pas Samantha, mais Margot, la reine des tapineuses WCWC. Mais ferme ta mère, la grosse. De la lune. Cérémonie de contemplation de la lune.
Les gars, c'est plus... Mais c'est... Cérémonie de contemplation de la lune. Oh là 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 là. Célébration. Cérémonie de contemplation de la lune. Salut, Samantha. Tu peux me faire crédit ce soir, s'il te plaît. Oh là, je peux même pas parler. Argent, là. C'est une clémence, ce putain de stream, je vais le couper. C'est un truc de ouf, frérot. J'espère pour ton premier kebab, c'est ketchup mayo harissa. Cérémonie de contemplation de la lune. Ah, tu connais ça, toi? Alban, la vie de ma mère, tu commences vraiment de... Mettre un œuf dans le cul et le faire éclore. Bon, allez, toi, hé, Noden, hé, ta mère, je l'encule contre un arme, je lui ramène deux poneys, deux chevals et deux rhinocéros. Va bien me... Cérémonie de contemplation de la lune. Cérémonie de contemplation de la lune. Cérémonie de contemplation de la lune. Cérémonie de contemplation Gaetan 97, 5 euros, arrête gueule sale fils de la réunion gros là. Oh là 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 là, y a l'instant, mais toi t'es, hey, mais Gaëtan, t'es vraiment un bipolaire, toi, espèce de sale fils de chien, moi. Mais y a un truc, je comprends pas, y a quelques instants, tu me souhaites bon courage et là, tu m'insultes. Mais ça va pas la tête ou quoi? T'as un grain, t'as un problème. Achète un trait. Cérémonie de contemplation de la lune. T'as un crâne frérot aberrant, t'as un œil, on dirait un mégot. Monsieur Daoki. Mais ferme ta gueule, anonyme, mais monte ta tête. Mais monte ta tête, enfant de putain. Je viens te sucer à 19h, M. Oublie pas les Kleenex, mon bibou. Julie, 4 euros, merci pour hier au bois de Boulogne à ce soir, bisous Julie. Mais va niquer ta mère, sale pute. Le grand-père de Martin, 6 euros, chargé. Cérémonies, observations de la lune, 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 cérémonies. Hugo, 4 euros, boucle là et arrête de jouer la comédie cheval. Mais va niquer ta mère, prends le casque et mets-toi à ma place, fils de pute, va. Même Kaina, elle a dit hier, ma femme de ménage, elle m'a dit putain, le son, on l'entend de la douche. Je vous promets que le son, il est archi fort. Oh pipipop, 4 euros, soirée partout chez Tic et ce soir, prostitue tu es accepté, venez. Mais ferme ta gueule, fils de pute. Eh les gars, y'a aucune soirée, hein, sur la tête de ma mère qui a aucune raison. Mais vous êtes complètement ouf. Coralie, 3 euros. Petit singe, tu préfères quoi? Une claque ou une bite dans le CU? Bah une claque, sale pute, va. Coralie, hey, écoute, bon, je retire la pute, je suis désolé, je voulais pas t'insulter. Mais tu vas prendre tarif comme tout le monde, hein, Coralie, hein. C'est pas parce que t'es une fille que je vais pas insulter ta mère, la grosse pute, hein. Je te le dis, hein. Commence pas à me casser les couilles. Putain, mais Zinclero, c'est ça, veut ça, faut l'enlever, merde! On va tous chez Tic et 78, c'est moi qui invite soirée haute. Ah, Kaina, tu m'as fait mes gâteaux? Oui. Ils sont cuits? Oui. C'est mes gâteaux préférés? Oui. Parmi, tu peux m'en donner? Parmi les gâteaux préférés. Mes gâteaux. Tu aimes d'autres gâteaux? Non, mais moi je veux les tiens. D'accord, je veux. Moi j'aime bien quand tu les prépares. D'accord. Oui. Moi j'ai gagné, moi. Manger, manger. Moi, j'aime ça, manger. Nous avons une demande d'amis. TK, j'ai volé ton tapis à l'entrée. Non, mais c'est pas possible, c'est le troisième. Mais merde. Hey, Mario. Putain, mais casse les couilles. Kaina, 3 euros. Après le live, tu dois me baiser et chier dans ma bouche. La vie d'homme, j'ai mis quelqu'un devant la porte. Allez, venez maintenant. La vie d'homme, j'ai mis quelqu'un devant la porte. Allez, c'est pas grave. Julie, 3 euros, pourquoi hier t'es rentrée à la maternelle, tu m'expliquais? Oh oui, Kaina, merci, c'est mes gâteaux préférés, oui. Non, Kaina, attention, la souris! Non, pardon. Pardon. Je suis pas ton abonné, waouh. Ouais. Oh merde. Welcome. Help. Mais what? Putain, mais merde. Qu'est-ce qu'ils sont mouettes? Organisation de soirée, 4 euros, rendez-vous à 20h chez Monsieur Daoki, soirée gratuite. Kaina, 3 euros, mange bien les gâteaux, il sort de mon gros cul. Oh là, tu vois, oh là, eh, c'est ça le problème, bande de sales bâtards, hein. Oh là, même le gâteau, on peut pas le manger tranquille, elle chétane. Qu'est-ce que c'est? Ils sont trop encore chauds. C'est bizarre. Oh, alors. Johnny, les Arabes, tout le monde en l'avion, hop, TK.
J'ai rien compris, tête de chien, moi. Hugo, 3 euros, elle a fait le gâteau avec le lait de ses seins. Oh, sale fils de pute. T'aurais même pas... T'aurais même pas les yeux coups de lui dire en face. La vie de ma mère, je te l'appelle, tu lui dis... C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro. 06 70 83 54 19. Oh, mais c'est mon numéro de téléphone. La balance, 4 euros. Tu joues à quelle heure à Kebab le jeu pour que j'appelle les services d'hygiène. La balle. Yotox off, 3 euros. Salut Jawedé, appuie sur la touche Windows et LC le MOD perf. Non. Ticket le Alouf, 3 euros. Le gâteau a la même texture que ma chiasse visage qui vomit visage qui vomit visage qui vomit lune croissante visage avec une main sur la bouche, symbole de la nouvelle lune Kramos en croix, symbole interdit aux moins de 18 ans. Vas-y, ok. C'est pas j'appelle Kaina, vous lui faites des cœurs, hein. Attends, on va voir ça. Vas-y, je vais l'appeler. Kaina ! La vie de ma mère, on va voir si elle va déporter vos couilles, hein. Oh là que je vais leur faire montrer. Regarde. Tu vas me dire si je suis fou, hein. Regarde. Regarde dans le chat. Ah, les bâtards. Les cœurs. Ah, les bâtards. Kaina, oh là que c'est pas ce que tu crois. Vous êtes adorable. Mais... Kaina, la tête de ma mère. Oh, regarde. Baba, Allah rahmou. Sur papa, Kaina, oh là que c'était pas comme ça. Moi, je vois que des cœurs. Tu sais ce qu'ils ont dit sur le gâteau? Oui. Je te le dirai qu'une fois. On est d'accord, on met du halib. C'est du lait. Non. Ah, t'as pas mis de lait? Ah, bah, elle a pas mis de lait. Bah, t'as mis quoi s'il y a pas de lait? Il y a des œufs. Œufs. Il y a une boîte de yaourt. Yaourt. Il y a de l'huile. L'huile d'olive, ouais. Je roule 76 RPZ de la Cotorette. 4 euros. Kaina, on t'aime. Ah, oh, les enfoirés, c'est des menteurs, Kaina. Je vous aime tous. Oh là là, Kaina, je te le promets. Kaina, je te le jure. 3K. Vas-y, ok, ça marche. Ça marche. Non, mais c'est moi qui est fou, c'est moi qui est fou. Très jolie ta porte d'entrée. Viens m'ouvrir maintenant. C'est bon, Kaina, c'est bon. Ok, je suis un fou. T'es jaloux? Mais non, mais Kaina, je te jure que c'était pas comme ça tout à l'heure. Je te montrerai la rediff. Attends, là peut-être c'est pour toi. Ouais. Toto, 3 euros, plein de cœur pour ton couple avec Margot. Cœur rouge. Ok, là c'est gentil. Bon, c'est bon, Kaina, c'est pas grave. Panneau de poubelle. Regarde comme par hasard. Panneau de poubelle souriant avec yeux en forme de cœur, souriant avec yeux en forme de cœur, souriant avec yeux en forme de cœur, souriant avec yeux en forme de cœur. Observation de la lune, c'est panneau de poubelle. J'en peux plus. Allez, bâtard. Elle a pissé dans le gâteau. Tu vois, mais pourquoi tu lui as pas dit qu'on était là? Kimi la Cambodgienne, 3 euros. Je viens de déposer les 3 couteaux devant ta porte. Signe avertissement. Les gars, Mais regardez le nombre de balles que j'ai mis, putain! Le grand-père de Martin. Putain, mais c'est pas possible, j'en ai marre! Dans le gâteau, larmes de joie. Mais je commence à l'avoir moi, putain, ce jeu de merde! Larmes de joie. J'en ai marre! Ça fait plusieurs jours que je fous rien! Ça fait plusieurs jours que je fais que de la merde! Ça fait plusieurs jours que je fais pas de rien! J'en ai marre! Je réussis à rien! Même le mode zombie, j'y arrive pas! Putain de merde! La porte d'entrée, viens m'ouvrir maintenant. C'est impossible, y'a quelqu'un devant la porte. J'en ai marre! J'arrive à plus rien! Je me sens nul, je me sens inutile! Ça fait des jours que ça dure, je vous le promets que ça fait des jours que ça me perturbe. Putain, mais je suis dessus, mec. Par contre, quand c'est moi qui ai un fusil à pompe, je suis obligé de vider un double chargeur, frérot. Cherche l'erreur, n'a chétane à un moment donné. Putain, ça me fait un mal de crâne, tout ça. Putain, j'en ai marre. Regarde, hop, il attend de se retourner. Ouais, attends, putain, vous avez pas vu l'image. Regarde, il a fait un 360, hein. Il a sauté, il a changé d'âme, il a le temps de recharger. Elle a mis du chaud dans le gâteau, mettez de la roquilla. Mais ta gueule, anonyme. Putain, même mon père, Allah, qui repose en paix, il me disait que j'étais un,
Un débile. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me dise ce mot débile, ou tu veux une claque. Parce que c'est des choses qu'il me disait à l'époque. Il disait, tu veux une claque. 2 hours later. C'est parti pour le jeu de kebab. Après, on reviendra sur Fortnite, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Ah, regardez mon personnage. Hé hey. Hein. Accessoire. Il y a quoi comme accessoire? Ah, regardez. Ça, ça prend forme, là. Hé, hey, gamin, tu dors toujours. Je t'ai dit de venir ici demain matin. Moi, un patron me parle comme ça, déjà, je le raccroche au nez. Rendez-vous avec votre père devant l'ancien restaurant. D'accord, mais l'ancien restaurant, où est-ce qu'il est? Pour en revenir sur les surnoms, je suis au courant, mon riz. Ah, Joro. T'as vu? Ah, le daron, il est là-bas, c'est bon. En fait, tu le reconnais? Ok, ça, c'est mon daron. Putain, non, starfullah. Non, starfullah. Il ressemble pas. Oh là, il ressemble pas à mon grand-père. Qui... Regardez, qui disait voiture. Il ressemble pas à mon grand-père. Waouh. Ouais, j'ai eu ma première clé. Entrez dans le restaurant. Ok, le restaurant, où est-ce qu'il est? Ok, mon cher, c'est un gâchis total. Ça a l'air pire que dans mes souvenirs. C'est bon d'être de retour, en tout cas. On devrait d'abord nettoyer ce gâchis. Je veux dire, tu devrais... Tu sais que j'aimerais vraiment t'aider, mais je suis un vieil homme maintenant. Salut TK, puis-je avoir une dédicace? Merci beaucoup. Une grosse dédicace à toi, mon ref Michel Fourniret. Nettoyer toute la saleté, laisser tous les sols et... Ok. Donc là, je sais que je dois nettoyer ça. Je dois ramasser... Ah ouais, sac poubelle. Ferme-la et joue ma petite pupuche. Anonyme, s'il te plaît, m'appelle pas comme ça. Je t'en supplie, Anonyme. S'il te plaît, je demande pas grand-chose, hein. Est-ce que pour l'instant, il y a des gens qui voudraient manger dans mon resto maintenant, là? C'est propre, hein. Regardez, niveau hygiène, comment je me débrouille. Nous avons une demande d'amis. Non, j'y ai peur d'attraper une maladie. Non, 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 tu vas voir. Bon travail. Ah, merci beaucoup, les abonnés. Bon travail. C'est en effet un bon début. Après tout, il est toujours important de garder ton lieu de travail propre. Ça, c'est sûr. Maintenant, réparons ces murs, ces sols délabrés. Ok, d'accord. Donc là, hop. Appuyez sur tab. Ouvrir la tablette. Appuyez sur tab. Ouais. Agrès, Bélis. Mieux que jamais maintenant, débarrassons-nous également de ces meubles cassés. Ok. Anonyme, 3 euros, et c'est déjà la fin de Daouki Kebab. Mais ferme ta Allez, gueule. Allez, en prison, intoxication. Voilà. Ah, regardez. Nous avons une demande d'amis. Ton restaurant, il doit sentir le porc. Mais ferme ta gueule, fils de pute, va. Mais les gars, je prends 4 heures, bien sûr, je connais pas, moi. Déjà, je suis clavier souris, putain. Voilà que vous mettez la pression. Putain, vous m'aidez pas. Pas maintenant Anonyme, que nous avons l'espace, nous pouvons les remplir. Est-ce que tu vas vendre des kebabs au porc ou pas? STP, STP, STP. Alors, dans mes kebabs, je vais vous dire ce qu'il y aura dans mes kebabs. Ça va de mieux en mieux, tu ne le trouves pas maintenant que nous avons l'espace, nous pouvons les remplir de nouveaux meubles. Ouvre ce magasin si tu veux bien. Ok. Ouvre ta tablette, appuie sur tab. Ok. Anonyme, 4 euros, même sur ce jeu tu pues la merde, c'est grave, arrête de jouer. Tu auras également besoin d'un évier et d'un comptoir, il est important d'avoir du terrain pour travailler. Oui. Nous avons une demande d'amis. Tu peux appeler ton restaurant, j'y accepte que les mineurs s'il te plaît. Va niquer ta mère la pute. Ta mère je la baisse, fils de pute. Je vais l'appeler ta mère la grosse salope. Rendez-vous au marché. Qu'est-ce que je dois faire, Lailou, le marché? Anonyme, 5 euros, Jacouille, tu la payes combien pour qu'on rigole ton jeu? Je sais pas, il doit coûter 17 euros. Oh, tu dois être le nouveau chef custo du quartier, ton père était un grand cuisinier, je suis vraiment heureux. Ah, c'est là. Ouais, regarde, tu peux toujours venir chez moi si tu... Anonyme, 3 euros, et c'est déjà la faillite pour le joueur français. Mais ferme ta gueule! De merde. Putain, mais tais-toi, mais j'apprends là! Putain, comment vous cassez les couilles! Comment je fais pour mettre dedans? Anonyme, 4 euros, 17 euros juste pour ça, tu t'es haï, fait arnaquer, et ça. Attends, apparemment, je dois retourner au restaurant. J'ai rien compris, ferme ta gueule. T-Rex, 3 euros, bonjour, je voudrais un kebab au sperme. Ah, c'est bon. Ta gueule! Tac, il faut que j'appuie là. Nous avons besoin d'un ingrédient pour cuisiner, cela signifie qu'il est temps de faire du shopping. Il y a 3 magasins locaux où tu peux acheter épicerie, boucherie et le marché. Ok, interagir. Ok, donc ici, il me faut des tomates. Il
Il faut que je fasse quoi? Ah, il en faut 5. 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Nous avons une demande d'amis. Appelle ton resto à peine ouvert et déjà en faillite, s'il te plaît. Du persil, il m'en faut combien du persil? Ah, c'est trop bien. Maintenant, faut que j'aille à la boucherie acheter de la viande. Donc là, on sait ici qu'ils vendent pas de viande. Ok. Donc la boucherie, elle doit être... Ouais, hein. Là, franchement, franchement, sincèrement, hein, parce que tout à l'heure, j'ai pas regardé le chat, ça vous donne vraiment envie d'aller dans mon resto, là? Parce que j'ai pris du bon produit frais, hein. Allez, là, la boucherie. Une équipe. Tous. C'était de ma faute et j'aurais besoin d'aide pour le corriger. Bande d'enfoirés, ouais. On se bat tous ensemble. Bande d'enfoirés. Naruto de Paris, 3 euros, je roule un joint avec... Starfullah. Il est presque l'heure pour moi de manger, j'espère que mon enfant pourra me cuisiner d'un délicieux kebab. Ah. Ok. Tout est 100% halal chez moi. Allez, bisemilla mes frérots. Anonyme, 4 euros, j'espère que tu vas faire faillite, c'est pour quand le régime? Bismillah, les frères. Verser du charbon pour griller. Ajouter quelques petits bois pour... Ajouter quelques petits bois pour griller. Non, franchement, il sera top. Oh là, hey, mon restaurant, ça sera un restaurant 1 étoile. Ah ouais, regardez les abonnés. Ouais. Eh les gars, ça mérite des GG dans le chat. Ma première viande, ya, ya, ya. Tout est 100% halal chez moi. Allez, bisemilla, mes frérots. Anonyme, 4 euros, appelle Philippe, il va taïd car tu es trop conda ou kikiki. Prends une assiette dans le... Moi, attends, d'accord, ok. T-Rex, 3 euros, j'ai volé ton paillasson, merci beaucoup, TK. C'est impossible. Comme on dit, hein, dans une restauration, et au roulac, c'est vrai, hein. Plus c'est long et plus c'est bon. Réel ou pas? Plus c'est long et plus c'est bon. Ça veut dire que ça prend du temps. Ça mijote et tout ça. Philippe et JT Ebèze, 3 euros. Bonjour TK, je viens de goûter ton kebab. Je chie en spray à d'excréments. Franchement, je m'en sors bien. Nous avons une demande d'amis. On comprend pourquoi il y a personne dans ton fast food. Mais va niquer ta mère là. Attends, ça a même pas pris forme, frérot. Tu critiques. Toi, le jour où tu seras apprenti, qu'on va te pousser, tu vas dire allez, tu vas comprendre ta douleur. Jaouédé le gros naze, 4 euros. Tu as foutu ta Rital Margot au bois de Boulogne. Personne se roulant par terre de rire. Personne se roulant par terre de rire. Personne se roulant par terre de rire. Arrête de l'appeler la Rital par contre. Ok, attention, chaud. J'arrive. Allez, poussez-vous, c'est un peu chaud, les employés. Hein. J'ai pas envie de vous faire mal. Donc, Allez, attention. Voilà, j'arrive. Attention, chaud devant. Chaud devant, attention, ça brûle. Envoyez vos échantillons de sperme au 27 avenue Stephen Pichon. Sale fils de pute. Je les ouvre pas, de toute façon. Le kebab de Martin, 6 euros. Merci de me mettre un complet barbecue algérienne. Merci, cérémonies observations de la lune. Cérémonies observations de la lune. Ah, je suis désolé, j'ai fait Alt F4, je comprends rien, il me demande des tomates, j'achète des tomates, un coup, il me demande des tomates, acheter des tomates tranchées, je comprends plus rien, moi j'arrête, c'est un jeu compliqué, il faut trop réfléchir, à la base frérot, ce qu'il me demande, t'as juste à faire cuire ton steak, tu découpes tes tomates en tranches, tu le mets par-dessus, un peu de persil, un peu de sauce, et tu te barres. Non, c'est bon. Demande du charbon avec du bout de bois. Non, c'est bon. C'est pas marqué chez les Philippe et chez. Moi, je comprends pas se rendre la vie difficile comme ça. Tu m'étonnes pourquoi certains cuisiniers tournent à la coke. Vous savez que certains cuisiniers ils prennent de la coke, hein. Je vous le promets, hein. C'est pour ça qu'ils finissent à des heures tardives. Sinon ils tiennent pas, hein. Sinon ils tiennent pas. Non, c'est bon. Moi, les jeux comme ça difficiles, j'arrête. Bon jeu à toi, mon bon TK. Merci beaucoup, le Belge.
En plus, faut que j'aille en Belgique, moi. Faut vraiment que j'aille en Belgique. Allez, un vendredi, samedi, dimanche. Mais pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que tu vas faire en Belgique? Mais non, mais j'ai dit j'allais en Belgique. Mais pourquoi tu rigoles comme un abruti? Parce que qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai le droit de voyager. Monsieur Daoki, oh là là. On vous a dit de pas venir ici car vous avez que 6 centimètres. Vous pouvez pas nous attendre. Mais ta gueule, Michel Fournier. Anonyme, 4 euros, arrête de parler et joue gros FDP, je baise à... Putain, mais toi... Vas-y, bref, je vais rien dire. Nous avons une demande d'amis. Ça fait quoi de passer à des 70 000 spectateurs à des 1400? Eh bah... Comme dirait chez nous, chez les rebeux, Alhamdoulilah. C'est comme si tu disais à quelqu'un... Ça fait de quoi de passer de manger du caviar, du homard, à manger des pâtes et du riz? Le mec, il va te dire « Alhamdoulilah, tant qu'on mange, c'est le plus important. » Moi, si je mange des frites, moi, je vous le dis tout de suite, hein. Ah, moi, si je mange des frites, il faut qu'elles soient croquantes, hein. Ah, les frites molles, c'est mort. Ah, c'est mort dans le film, hein. Nous avons une demande d'amis. TK, c'est une transe avant, il est appelé Karima. TK, c'est une transe avant, il s'appelait Karima. Wesh, comment tu sais ça, toi? Benjamin Netanyahu, 3 euros, rappelle-toi, on doit fêter Yom Kippour ensemble. Mais ta gueule! Tain, t'es con! Allah, 4 euros, tic, et pourquoi tu portes un gilet explosif, tu veux tous faire pète? J'ai rien, tu sais que dans ma sacoche, j'ai rien, elle est vide. Vous savez pourquoi je porte une sacoche? Vous savez pourquoi je dors avec un plaid? Autour de moi, je me couvre pas avec, hein. C'est juste le côté gauche... mon côté gauche, le cœur, j'aime bien quand je le maintiens chaud. Quand mon cœur, il a pas de chaleur, je me sens pas bien. Il faut qu'il y ait une chaleur. Même une peluche, hein, on s'en fout. Hein. Ce soir, finale de la Ligue... Non, sérieux? À quelle heure, Omerta? Ouais, les abonnés, s'il vous plaît, je peux quitter mon live à 21h, s'il vous plaît? Ouais, hey, il y a la finale. Mais yes, putain. Je savais même pas. Les abonnés, je peux finir mon live à 21h. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les abonnés. De toute façon, demain on se retrouve à 17h. Mais je savais même pas. Je savais même pas. Waouh, la honte. Attends, je vais faire un sondage. Franchement, ça serait un cadeau, hein. Oh putain, les abonnés, ça me ferait trop plaisir. Attendez. Vous pouvez voter. Oh, ça... les gars, franchement, ça me ferait plaisir, hein. Mais je peux pas regarder le match, je peux pas le diffuser sur YouTube. C'est interdit. Là, c'est un ban def, hein. 4 euros, regarde le foot avec nous au pire. Mais je peux pas le regarder, je peux pas. Mais non, vous êtes bêtes, je vais pas me mettre en pendant presque... Ils ont dit les dons à 1 euro demain et tu peux quitter. Les dons à 1 euro demain? Ouais, et tu peux quitter à 21h. Non, ils ont pas dit ça, c'est impossible. Déjà, il y en a dans le chat, ils ont dit... Ouais, mais ouais, il y en a, mais y en a, c'est pas tous. C'est une minorité qui ont dit ça, c'est pas 300 personnes. T-Rex, 3 euros, si tu pars à 21h, j'éjacule dans la nuit. Astaghfirullah, 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 ya Rabbi, astaghfirullah. Mais prends-le au lieu de me regarder comme un gosse. Non, mais est-ce que tu la bois, non? Non, je la bois pas, et j'ai pas trop aimé, hein. Apparemment, c'est une boisson portugaise. Bon, allez, demain, on j'ai failli dire don à 10 centimes. T'imagines les dons à 10 centimes? Oh, le calvaire. Les gars, un de ces quatre, on se le fait ou pas? Juste pour le délire. Juste pour le fun. Je vais tout faire. Les dons à 1 centime, les dons à 10 centimes, des dons à 50 euros, des dons à 200 euros. Ah, si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va faire ça, hein. On va faire tous les prix, hein. Nous avons une demande d'amis. Tu mets les dons gratuits demain pendant une heure et on te laisse. Non, ça va être le bordel, Michel Fournir truc là. Fournirette ou Fourniret. Désolé si je l'ai écorché. Hein. Nous avons une demande d'amis. Ok, alors 30 centimes pendant une heure. Non, Fourniret, s'il te plaît. Tu sais bien que c'est abusé. Tu sais très bien ce qui va se passer demain si je fais ça. Tu le sais très bien au plus profond de toi. Je peux pas, si je le ferai, je te jure, hein, mais ça va partir en freestyle. Non, c'est bon. Tu sais qu'hier, il y avait les keufs, hein. À quelle heure? Je sais pas, mais c'est au premier étage. Ouais. Il y a eu des cris. Nous avons une demande d'amis. Je te jure, il y a eu des cris. Donc 70 centimes, c'est bon ou pas? Sinon, tu pars pas à 21h. Non, Michel Fournier, 1 euro, on vient, on coupe la poire. Je m'en prends plein la gueule à 1 euro demain. Nous avons une demande d'amis. Je te jure, je m'en prends plein la gueule. Va voir, c'est Baki, tu vas encore oublier mon ref. Non, Baki, je vais pas t'oublier. Allez, c'est bon, Yass, on dirait un demeuré.
Mais oui, parce qu'il commence à installer le rooftop. Ouais, après, le rooftop, voilà la gueule du rooftop. Hein. Déjà, nous, on est plus élevé en étage, t'as vu. En bas, tu verras rien. Hein. Les vrais rooftops, c'est... Enfin, non. Yes, c'est vrai, hein, t'as tendance à trop bander. Mais je bande pas. Eh, je bande pas. C'est quoi, wesh. Je bande pas, wesh. C'est pas bandé, ça. Ah, c'est pas bandé, là. Regardez. Mais c'est bon, c'est bon. Assieds-toi. Allez. Vous verrez quand je prends. Mais pourquoi tout à l'heure, tu leur as dit que j'avais une petite bite? C'est vrai, j'arrête. Comment ça, c'est vrai? D'abord, je suis passé devant les toilettes, je t'ai même pas vu. Comment ça, tu m'as pas vu? J'ai pas compris. T'es en train de pisser? Ouais, je t'ai pissé, ouais. Passé. On voit rien. Mais c'est normal, je suis de dos. Mais non, t'es de face. Et ton ventre, il recouvre. C'est pas vrai, il pense pas ce qu'il dit. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est facile à dire. Fan de TK, tu es puceau? Non. Non, 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 j'ai déjà fait l'amour. Vous savez, mon atout... non. Laisse tomber, j'ai rien dit. Ah, surtout pas, te lance pas dans ce terrain. J'ai rien dit, hein, je rigolais. J'ai vraiment rien dit en plus. Non, non, je peux pas. Non, franchement, je peux pas en parler avec vous, surtout avec vous. Hein. En gros, vas-y, ok, vas-y. En gros, j'ai un atout. Hein. Je te jure. Je vais pas rentrer dans les détails, mais toutes les filles, elles me disent que j'embrasse bien. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'adore la bemande. J'suis sur un doubé salé, j'kiffe plus qu'un plat de cheese dans la école. T'es bonne cette année, on arrose pour home drive. Qui pensait nous voir sur du régola, c'est qu'on bombarde. On met des bombes, on se barre dans les temps, les mains pleines de ces bombes. J'ai fumé des mélanges, on va chérir les coms, ils vont fumer du comme ils ont pas trouvé les plans. Donc on appelle les cops, si c'est disque.